بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رضي الله عن الخلفاء الراشدين والصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما بعد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مي فرير مي سور لي لونج الله ان لو بريمير كي La parole est dominante sur toute chose, nous le louons. Nous revenons vers lui, repentant. Nous le demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah. Le sceau de la prophétie, le meilleur homme que la terre ait porté. Qu'Allah bénisse au prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Nous parlons donc, grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, pour Allah nous l'espérons, et par Allah, la hawla wa la illa billah, il n'y a de force de mouvement que par Allah. Des actes donc d'adoration du cœur. On a dit que le cœur, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait pas de lui-même, il y a un morceau de chair, n'est-ce pas, il dit dans le corps, s'il est saint, tout le corps est saint, n'est-ce pas que c'est le cœur. Il a dit également, qu'Allah le bénisse, huna, en montrant sa poitrine trois fois, la piété n'est-elle pas là La piété est là, la piété est bien là. Nous attestons qu'il dit la vérité, qu'il a fait parvenir son message, qu'il ne parlait pas de lui-même. <mérite> 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 Verset 3 et 4 la surah 53, l'étoile. Ce cœur donc, et l'importance du cœur n'est plus à prouver. Comme on le sait, c'est le siège de la joie, c'est le siège de du stress, c'est le siège de, des émotions en général. Si Allah a mis ce cœur donc, euh, dans la poitrine, c'est bien parce qu'il sait, c'est le cœur qui regarde, comme nous l'a averti. Mohammed Ibn Abdillah, il nous a dit en effet que le cœur, Allah ne regarde pas vos semblances, votre look. Allah ne regarde pas également vos biens matériels qu'il vous a accordés. Allah regarde les actes et il regarde les cœurs. Donc comme le disent les savants, les cœurs avant toute chose. Quand Allah regarde les cœurs, ça veut dire il regarde l'intention qui les anime, qui anime donc l'intention qui fait vibrer le cœur, l'intention qui anime les actes. Et c'est sur ce sujet qu'Allah subhanahu wa s'il nous permet, nous allons donc concentrer nos efforts dans ce live. Qu'Allah bénisse votre temps. Qui bénisse votre vie et qu'Allah récompense tous ceux qui de près ou de loin. Œuvre pour que sa parole soit élevée et le restera. Donc, à la technique, comme euh, depuis longtemps, c'est le frère Karim, qu'Allah le bénisse et bénisse son temps et le récompense par le meilleur. Et qu'Allah vous bénisse également, vous qui avez choisi, bénisse pour votre confiance, parce que ça n'a pas de prix. Allah subhanahu wa ta'ala donc nous a permis, dans un premier temps, de parler dans l'épisode 1 de l'importance du cœur. Et vous en étiez déjà convaincu. Dans l'épisode 2, nous avons parlé des règles. En effet, pour qu'une œuvre soit acceptée d'Allah, nous avons insisté dessus, il faut l'islam. Il faut également la sincérité vis-à-vis d'Allah. Et il faut le suivi de Mohamed. Nous avons également vu dans l'épisode précédent, les règles, qu'il y a des adorations qui comme, sont obligatoires et qu'il y a des adorations qui sont recommandées, des adorations qui sont neutres, on pourrait dire, certaines que Allah, subhanahu wa ta'ala, n'accepte pas, qui sont interdites, et certaines qui sont reprouvées. Donc parmi les adorations qui sont les plus importantes, c'est certainement l'intention. Les adorations du cœur, l'intention est dans le domaine du cœur. Et contrairement à ce que beaucoup de nos frères et nos sœurs, par ignorance généralement, par euh, habitude, souvent font, L'intention est du domaine du cœur et on ne la prononce pas. Nous avons vu un des samedis, il y a deux semaines, à propos de l'Ihram. L'Ihram dans le sens de l'habit que l'on porte, de sacralisation. Quand on nous a parlé du hajj et tous les dimanches, tous les samedis plutôt, si Allah nous le veut, jusqu'à la fin Donc notre série sur le hajj plus qu'un voyage, nous parlons en détaillant le hajj. Donc dans l'épisode 2 de, de cette émission, ou de, cette, de ce live hein, sur le hajj, nous avons parlé de l'Ihram qui est le premier pilier de la Umrah et du hajj. L'Ihram, donc certains savants disent que quand on le porte, donc, soit c'est l'habit, soit c'est l'intention. L'intention est dans le cœur, mais certains savants disent que c'est la seule intention que l'on prononce en disant « La baïka ou « La al hajj » Donc, me voici au oh Seigneur, me voici pour le Hajj ou pour la Umrah. Mais certains disent, non, ça ce n'est pas l'intention. L'intention, c'est dans le cœur. Dans tous les cas, dans toutes les autres adorations, l'intention n'est pas à formuler, même pour se convaincre. On n'a pas à faire comme le, le font nos aînés, souvent. Allahumma inni nawaitu, nawaitu, donc c'est niya. Inni nawaitu, salat, c'est ou cela. Oh Allah, j'ai l'intention de faire telle et telle prière. C'est là où Satan rentre et parfois annule même la prière ou annule l'œuvre dans la mesure où on s'est trompé. Et donc, l'intention, par contre, comme on le verra, Inch'Allah, est si importante, c'est le squelette et c'est le sommet même de toute adoration. Puisqu'il n'y a pas d'acte qui n'est pas animé par une intention, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Et bien entendu, aujourd'hui, si Allah le veut, on va s'arrêter aux bonnes intentions seulement. Les mauvaises intentions et le reste, on n'appelle pas ça de l'adoration. On appelle ça de contre-adoration. Et si Allah nous permet, après la série donc, de l'adoration des cœurs, on verra les maladies du cœur, parmi lesquelles, donc, le fait d'avoir une mauvaise intention. Donc, aujourd'hui, si Allah le veut, on va se contenter des bonnes intentions. L'intention, donc, c'est, disais-je, le squelette. C'est également le sommet de tout acte. Et le prophète, tout salam, dans ce qui a été rapporté par les deux. Et c'est le hadith qu'il le même Al-Bukhari, mais en premier, Al-Nawawi également et d'autres, qui a été rapporté par Omar ibn Khattab, cet ennemi de Satan, et celui qui, comme l'a dit le professeur sallallahu ou ou par celui qui détient mon âme, il y a ibn Khattab, au fils de Khattab, si tu, jamais tu n'as pris un chemin, si Satan n'a pas pris, change de chemin. Donc il était redoutable vis-à-vis -vis de Satan, parce qu'Allah lui avait donné une foi très forte. Et s'il y avait un inspiré dans la communauté, ça aurait été lui. Qu'Allah... Il est au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui, il l'a été certainement, puisque Allah lui a annoncé de son vivant, donc le paradis. Omar ibn Khattab, l'amir des croyants, le second calife, a rapporté que le prophète alayhi wa sallam, a dit innamal -a -ma wa innamal -in -manawa. Les actes ne valent que par l'intention qui les anime, et à chacun selon son intention. Chacun sera récompensé donc en fonction de l'intention qu'il a amené à tel acte. Les actes étant donc soit obligatoires, soit recommandés, soit neutres, soit interdits, soit donc reprouvés. Quel que soit l'acte, l'acte ne compte que en fonction de Allah ne retribue l'acte qu'à condition que l'intention soit dirigée vers lui. Et ça, nous le verrons sur Allah un peu plus tard. Donc, l'intention, c'est cette volonté suivie d'actes. L'intention est dans le cœur, mais on peut avoir l'intention de faire une chose sans la faire. Mais là, c'est ce sentiment est ce qui est animé par une volonté de faire une chose, qu'elle soit suivie ou non des faits. Donc l'intention, c'est le fait de vouloir faire un acte qui soit bon ou mauvais et dans notre cadre, comme nous l'avons dit, on va s'arrêter à la bonne intention, c'est-à-dire à, à l'acte qui a été légiféré. L'intention est si importante que ça différencie selon la bonne intention et sa pureté de l'intention. Allah rétribue de 10 à 700 fois, voire plus, la bonne intention qui a été réalisée. On va diviser l'intention en deux choses pour qu'on comprenne bien que l'intention, grâce à Allah, et on ne saurait jamais le remercier assez. Et si importante que c'est celle qui permet de faire revivre, je dirais, de déclencher dans le cœur une chose importante. De donner, de vivifier le cœur. Dans la mesure où l'intention, c'est l'intention en rapport avec l'acte et l'intention en rapport avec celui pour qui on fait l'acte. On va prendre tout simplement l'intention en rapport avec l'acte. C'est la première partie de l'intention, c'est-à-dire que si. Il n'y avait pas de rapport avec l'acte, ça deviendrait une routine, comme c'est le cas malheureusement de beaucoup de nos actes, même d'adoration. On se lève, on prie, on se lève euh, comme on mange, comme ceci, on n'a pas, on ne se concentre pas. Et la partie que nous avons de la prière, par exemple, comme l'a dit le prophète Allah, l'un d'entre vous aura la moitié, au mieux, le tiers, le quart, jusqu'au dixième de la prière. De là où il est concentré. Donc c'est là où le cœur est présent. Donc là. L'acte c'est peut être soit obligatoire, soit recommandé. Et donc, quand nous nous levons pour la prière, par exemple, du Asr, on va prier pour. Ce n'est pas comme si on avait entendu l'appel de la prière, le adhan, Le prophète nous a dit entre le Hadan et l'Ikama, entre l'appel à la prière et l'appel solennel pour dire que la prière va s'effectuer, il y a deux unités de prière il y a deux raka'. Mais quand on le fait, on le fait avec cette intention de quelque chose de recommandé non obligatoire. Mais une fois que l'on prie, soit seul, soit avec l'imam, l'acte qu'on va faire, c'est l'acte obligatoire, qu'Allah a rendu obligatoire. Et donc, on va se lever quand on peut, faire le taqibrat al-Ihram, donc le, le fait de dire le premier Allahu Akbar, avec l'intention de sacraliser l'acte que l'on va faire, le temps qu'on est en train de faire jusqu'au salam, avec quelle intention l'intention de s'acquitter d'une chose que Allah aime, qu'il a ordonnée, donc c'est une chose qui est obligatoire, avec l'intention de se rapprocher d'Allah, que dis-je, que Allah nous rapproche, avec l'intention de mériter la récompense d'Allah et d'être préservé de son châtiment mérité. On ne va pas le formuler bien entendu tout ça, puisque ça nous prendrait du temps. Mais quand on se lève pour n'importe quel acte, c'est ça la beauté de l'acte. C'est là où on chasse Satan parce que l'espoir de la récompense est là dans le cœur. La crainte du châtiment d'Allah est là dans le cœur. Donc l'amour d'Allah, de se rapprocher d'Allah, est là. C'est pour cela que si on pouvait, certainement, on aurait accordé à l'importance beaucoup plus de choses. Donc l'importance de l'intention dans l'acte, c'est déjà, nous savons que c'est obligatoire. Si Allah l'a rendu obligatoire, c'est que c'est la meilleure des choses et surtout, elle devient indispensable. Allah qui se passe de tout. Si nous la rendons obligatoire, la prière, le jeûne, ou quoi que ce soit, c'est parce que sans ce acte, nous ne serions pas dignes d'être dignes des serviteurs soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, et notre vie n'aura pas le même goût, la même saveur. Parce qu'Allah nous a ordonné des choses, parce que pourquoi Pour la prière, Il la prière empêche les choses blâmables et de tripitude. Lui il le sait, nous ne nous le savons pas. Donc soit on fait comme euh, administrativement, on fait des courbettes, on fait de la gym, s'il n'y a pas cette intention de savoir que Allah l'a ordonné, il n'a rien ordonné que le meilleur, alors certainement on comprend moins et on sera moins présent dans la prière en ne prenant que ce cas. Donc la prière est-elle obligatoire ou surrogatoire Ce que l'on fait, on sait consciemment, sans formuler l'intention par la langue, l'intention est du domaine du cœur. Ce que l'on sait, c'est que la prière obligatoire, on l'a fait pour Allah, pour se rapprocher d'Allah, d'où notre pauvreté et notre amour, notre désir sincère de faire ce que Allah aime, pour que Allah nous aime. Et par conséquent, quand on dit Allah, Akbar, dans un cadre qui est obligatoire, on sait que... Allah, sa miséricorde nous a enveloppé, on l'espère, et que Allah subhanahu wa taala nous permet donc de nous rapprocher de Lui au travers de cet acte. Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable, dit Allah dans le hadith Qudsi qu'on a déjà traité et si beau d'abou hurayrak l'agré, où Allah dit Je déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes amis, un de mes aoulias. Mon serviteur ne se rapproche de moi pas rien hein, qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que je lui ai ordonné, de ce qui est obligatoire. Si on se mettait, on prenait un petit temps en se levant ou en entendant l'appel à la prière ou en allant à la mosquée ou en se levant pour faire la prière, je ne dis pas qu'il faille prendre des minutes, mais si on réalisait tout ça, on verrait l'amour et la miséricorde d'Allah sur nous, sans compter que la prière... Va non seulement nous empêcher de faire des choses blâmables, des trépitudes, la prière, comme l'a dit le professeur, imaginez l'un d'entre vous devant la maison de qui il passe un fleuve. Il se lave cinq fois par jour. Est-ce qu'il va être sale Ils ont dit non, il dit c'est l'exemple de la prière. Donc je vais rentrer dans un processus que Allah m'a ordonné ou qui m'a conseillé qui va me permettre de me débarrasser de ce qui vole le cœur. Encore une fois, le centre, c'est le cœur. Le prophète a dit quand le fils d'Adam fait un péché, le péché vient s'incruster, un point noir vient s'incruster sur son cœur. S'il demande pardon, voilà que le point noir est effacé. Mais s'il ne demande pas pardon, d'autres points noirs viennent s'incruster sur le cœur et le cœur va devenir rouillé. C'est pour cela que nous n'avons pas de cœur, ou souvent, on a très peu de cœur et de sentiments et on n'arrive parfois même pas à pleurer. Parce que le cœur est rouillé. Et donc, Allah nous permet à mêmes occasions de laver ce cœur-là. Il a dit le cœur devient rouillé. C'est à ça que fait allusion, a dit le professeur. sallallahu alayhi wa le verset de la surat le la surat les fraudeurs, surat numéro 83, où Allah dit, et certainement leur cœur a été rouillé par rapport à ce qu'ils ont fait. Et donc Allah nous donne l'occasion, par les ablutions, où tous les organes que l'on lave, leur péché disparaît au travers jusqu'à la dernière goutte d'eau qui tombe de là. Quand on voit déjà ça, en tant qu'adoration, qui précède la prière, on comprend mieux. Quand on prie et quand on fait la genuflexion, tous les péchés viennent se regrouper au niveau de la tête. Et ensuite, quand on se prosterne, les péchés y tombent. Donc tout ceci nous permet, en faisant une prière, n'importe laquelle, et surtout une prière obligatoire, de remercier Allah subhanahu d'être présent. On comprend mieux pourquoi le meilleur des hommes, Muhammad Sallallahu Alaihi sallam, disait, on m'a fait aimer de votre vie d'ici bas trois choses. Mais la prunelle de mes yeux Celle à laquelle je tiens le plus C'est la prière Et donc pour dire Là c'est le cas de la prière On ne va pas rentrer dans les détails Ça c'est la prière obligatoire Mais entre la prière obligatoire et la prière surrogatoire Il faudrait que tu fasses la différence La différence c'est quoi C'est l'intention Celle-là elle n'est pas obligatoire Mais Allah dit mon serviteur ne, se, ne finit pas de se rapprocher Ou ne cesse de se rapprocher de moi Jusqu'à ce que je l'aime Par les œuvres surrogatoires Et au, au jour du jugement dernier Allah a enseigné au Professeur pour qu'il nous l'enseigne que la première des choses sur laquelle l'homme sera interrogé, ce sera la prière. Si elle est bonne, Allah dit j'accepte tout. Si elle n'est pas bonne, si elle n'est pas suffisante, puisqu'on n'aura de notre prière que la moitié, le tiers jusqu'au dixième, comme on l'a dit tout à l'heure. Si la, ce n'est pas complet, et pourtant Allah multiplie au moins par dix, de dix à sept cents fois les bonnes actions. Si on n'a qu'un dixième, Allah nous compte une prière complète. Si on l'a fait en groupe, Allah multiplie de 25 à 27 fois. Et si c'est à la Mecque, n'en parlons pas. La prière à la Mecque, dans la Kava, dans le Haram, elle représente 100 000 prières. Mais à côté des péchés, est-ce qu'Allah l'a accepté 0 multiplié par 100 000, c'est toujours zéro. Donc Allah seul sait s'il a accepté ou pas, il n'accepte que les pieux. Donc la piété vient de celle-là, celui qui craint. Et qui aime Allah, qui craint son châtiment, c'est ça la piété. Donc le cœur, encore une fois, revient au centre de toute chose. Son squelette est le point culminant. Et donc, nous disions que cette prière, Donc si l'obligation, si Allah veut, Allah l'a acceptée, et l'obligation suffit, tout le reste, Allah l'accepte. Et si l'obligation ne suffit pas, ce qui sera le cas de beaucoup, Allah dira aux anges, dans. Sa miséricorde prenez les œuvres surrogatoires, prenez les œuvres surrogatoires et rajoutez-les comme si elles étaient obligatoires. C'est la sagesse pour laquelle celui qui craint Allah, celui qui aime Allah, celui qui craint de le rencontrer, il va se s'imposer un certain nombre de choses recommandées parce qu'elles vont venir pour compléter les défauts de nos choses qui sont obligatoires. Et si, grâce à Allah. Il a accepté les œuvres surrogatoires, on les rajoute aux œuvres obligatoires, auquel cas on sera sauvé. C'est comme les six jours de Shawwal, qu'Allah accepte ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait, qu'Allah leur facilite, puisqu'il reste encore quelques jours. C'est comme donc la Umrah par rapport au Hajj, etc., etc. Donc on a l'acte, l'intention dans l'acte. Mon intention c'est de plaire à Allah, de me rapprocher d'Allah par le moyen qu'il a. Jugé dans sa sagesse, dans son omniscience, dans sa miséricorde, qui pourrait me rapprocher de lui, puisqu'il a rendu obligatoire. C'est ce qu'il aime le plus. Et la prière, on sait, c'est ce l'acte Allah aime le plus, subhanahu wa bien qu'il se passe de tout. Donc, il y a les choses obligatoires, les choses recommandées, et donc ce sont les prières surrogatoires, en ne prenant que le cas des prières. Ce sont les prières surrogatoires, et parmi les prières surrogatoires, il y a les surrogatoires qui sont générales. Je me lève, j'ai envie de prier, je prie. C'est dans un moment qui n'est pas interdit. Et il y a les surrogatoires qui sont provoqués, qui sont particulières. Comme je rentre dans la mosquée, il y a Tahit al-Masjid. Le les deux rakas, suivant la sunna du Prophète sallam, qui nous dit ne t'assois ne pas dans la mosquée avant de faire deux rakas. Je fais les rawatib. Deux rakas avant le Subh. Quatre rakas ou deux rakas avant le Dohr. Deux rakas ou quatre rakas après le Dohr. Deux raka après le Maghreb, deux raka après l'Aisha. On a déjà vu ça pendant le Ramadan, Alhamdulillah, qu'Allah nous facilite. Celui qui prie quatre rakas après l'Aisha, en les séparant par un Tahiyya, mais quatre rakas séparés par, par deux, c'est comme si priait les cadre On a déjà vu ça. Un cadeau, une aubaine, qu'Allah offre à celui qui veut se rapprocher de lui, grâce à lui et par lui. Et donc, là, quand on fait quatre rakas, après isha, c'est avec cette intention-là que Allah l'accepte et que Allah nous le compte comme les lettres qadr Notre mère, Oum Habib, elle dit, le professeur Salama a dit, celui qui fait quatre rak'a avant le Dohran, 4 rak'a après le Dohran, c'est-à-dire l'entrée du Dohran et avant la prière obligatoire, et après la prière obligatoire, avant le asr, celui qui fait 4 rak'a avant le Dohran, 4 rak'a après le Dohran, Allah a interdit son le feu de brûler son corps. Donc, notre intention quand nous le faisons, et Allah, ce qu'il aime le plus, c'est ce qui dure. Même si c'est peu. Quatre à 4, c'est quoi Ça prend combien de temps 5 minutes Dix minutes au maximum. Mais il faut que ça dure. Pas parce qu'aujourd'hui, je me suis marié, je suis heureux, je vais pas prier. Non. C'est quelle que soit la condition. Parce que c'est comme si tu renonçais à ce qui te rapproche d'Allah parce qu'il y a mieux. Donc, ce n'est pas bon signe. c'est pas bon signe pour l'état du cœur. Donc, on va distinguer. Ces Prière particulière, ou le soir ou la nuit, quand on va se lever pour prier, bien sûr, ce n'est pas comme si on priait du raka, euh, du fajr, ou comme si on priait. Donc, chaque prière a également une intention particulière. C'est ce qui fait la beauté, je dirais, de la prière et la beauté de toutes les adorations. Je sais pourquoi je le fais. Je me rappelle avant et je ne suis plus retourné. Malheureusement, si les prières ne font pas leurs effets, ou les autres bons, bons actes, c'est bien parce que la routine s'installe et Satan en profite pour qu'on ne. Tire pas tout le profit de la prière. C'est pareil pour le jeûne, je ne vais pas rentrer dans le détail. Entre ce qui est obligatoire, entre ce qui est expiatoire, 60 jours consécutifs pour celui qui a consommé l'œuvre de chair en pleine journée, euh, qui n'a pas oublié, je, je, je m'entends, qui savait que c'est le ramadan, etc. Voilà, euh, c'est par rapport au six jours ou par rapport au jeûne de lundi et de jeudi ou par rapport à Arafat ou par rapport à Ashura donc ceci c'est différent ça c'est par rapport à l'acte c'est pareil pour la sadaka quand on fait une sadaka ça peut être la zakat qui devient une obligation un droit des pauvres ça peut également être expiatoire parce que j'ai juré à Allah quelque chose et j'ai vu mieux donc je me dois de nourrir par exemple dix pauvres si je ne peux parce qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas le faire alors je jeûne trois jours donc ça dépend de, de pourquoi on le fait. Ou alors c'est juste parce que j'ai envie de nourrir des orphelins parce que Allah aime ça. J'ai envie de m'occuper de la veuve parce que Allah aime ceci ou cela. Et jusqu'à la loqama, jusqu'à la bouchée que tu donnes à ton épouse est compté également comme une sadaqa. Et tout ce que tu fais pour un être vivant est compté comme une sadaqa. Donc l'intention encore est là. Ce n'est pas je fais ça, je m'en débarrasse. Tous les jours je fais ça, je ne me rappelle même plus pourquoi je le fais. Il faut que l'âme bouge, il faut que le cœur bouge. Que le prophète soit béni. C'est lui qui nous disait, celui qui voit, celui d'entre vous qui voit un fait blâmable, qui le change de sa main, s'il ne peut de sa langue, s'il ne peut au moins de son cœur, parce qu'en dehors de ça, il n'y a point de foi. C'est-à-dire, à force que de voir des choses blâmables et le cœur ne bouge même plus, il n'y a plus de foi. Donc, si on veut que la foi soit réelle, si on veut que le cœur soit pur, il faudrait que cette intention, cette intention soit renouvelée régulièrement, je dirais presque, pour tous les actes. C'est pour cela, peut-être. Une des sagesses d'Allah, et ça on le verra, la meilleure œuvre peut-être après dans l'intention elle-même, c'est le rappel d'Allah, parce que ça t'oblige à te rappeler Allah. Et les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui se rappellent le plus Allah, notamment dans l'intention. On fait dire à mieux que moi, je n'ai jamais fait une chose avant de voir Allah avant. C'est-à-dire mon intention, c'est qu'est-ce que Allah aime avant que je le fasse. Et on fait dire à un autre, je n'ai jamais fait une chose avant de voir Allah en même temps. C'est que quand je veux faire l'acte, je me rappelle d'abord en même temps Allah. Est-ce que Allah l'aime, Allah n'aime pas Si Allah l'aime pas, bien sûr, j'arrête cet acte-là. Et si Allah l'aime, je vais continuer cet acte. Et un autre qui dit, je n'ai jamais fait une chose sans voir Allah après, bien sûr, ça c'est notre cas souvent, c'est le repentir. Je fais des choses, après, ah oui, l'islam n'aime pas ça. Ah oui, j'ai fait tel péché, astaghfirullah, si le cœur est présent, si on remplit les conditions, certainement Allah va nous pardonner. Ça, c'est une autre œuvre que Allah aime et qu'on verra chez dans un, dans, dans un autre live. Si Allah nous prête vie et santé et donc nous donne l'opportunité de le faire. Donc ça, c'est pour tous les actes. Il y a l'intention qui est liée à l'acte. Est-ce que c'est obligatoire Est-ce que c'est recommandé ou pas Et la partie la plus importante, certainement, c'est l'intention liée à ce pourquoi on le fait. Bien entendu, toute œuvre. Qui est faite pour autre que Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, ne l'accepte pas. Toute, toute œuvre qui est faite par, pour Allah et autre chose, Allah le rejette. Mais ça, ça fait partie des maladies de cœur, du cœur les plus ce n'est pas de l'adoration, c'est des maladies du de cœur les plus graves, puisque celui qui meurt dans cet état ne sortira pas de l'enfer. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, on parle de, des actes d'adoration du cœur. Donc, l'acte d'adoration du cœur, c'est la première chose. Ibn Qayyim, quand elle fasse dit qu il est miséricorde, il dit qu'il n'y a pas d'acte pour lequel on va pas te poser deux questions. Pour qui tu l'as fait Et pour comment tu l'as fait Pour qui tu l'as fait C'est l'intention. Pour qui est-ce que tu as fait cet acte-là Pour Allah seul Ou tu l'as fait pour Allah et quelqu'un d'autre Ou tu l'as fait pour quelqu'un d'autre Et Allah seul sait. C'est pour cela que l'importance du hadith, Allah regarde plutôt vos œuvres et, et les actes et le cœur. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'eikhlas. ikhlas, -ikhlas c'est. Donc là, on traduit ça par la sincérité. C'est la sincérité de l'intention en réalité. L'al-ikhlas, khalousa, khalasa. Donc en arabe, c'est on traduit ça par la foi pure ou purifiée. En réalité, khalousa. En langue arabe, c'est échapper, peut-être, hein, délivrer. Par exemple, quelqu'un qui, qui, qui a été pris au piège, il en est sorti sain et sauf. Donc là, on utilise Khalusa, il, il est sorti de là. Il, il a été délivré. Et donc, également, quand on a un habit qui est sale, le fait d'enlever les, 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 les impuretés, c'est enlever, donc c'est dans le sens de... L'impureté par rapport à un abus, par rapport à un corps, par rapport à autre chose. Dans l'islam, dans bien entendu, euh, Mokhles, c'est celui qui a purifié son intention de telle façon qu'elle est destinée à Allah seul. Et Mokhles, Mokhles c'est quelqu'un qui est sincère, on dira nous, en français. Mais c'est son intention qui est sincère, parce que la vraie sincérité, on la verra parmi les actes du cœur, c'est la pureté de l'intention qui continue et qui est au fin fond du cœur et qui ne dépend pas, parce qu'on peut tout être sincère un moment et ne pas l'être ensuite. Mais c'est celui qui est sincère sur la durée et qui détermine ça, qui continue dans la détermination et qui est non seulement résolu, mais dont la détermination arrive à illuminer l'état de son cœur. Mais là, aujourd'hui, on ne parle pas de la véridicité ou de la véricité ou le sidq On parle aussi de le, al ikhlas c'est pour qui Celui pour qui on le fait, c'est-à-dire Allah. Allah n'accepte pas une chose qui a été faite pour autre chose que lui. Et des versets, ce n'est pas ce qui manque. Entre autres, le verset 5 de la surah 98. « Wa ma umiru illa Dans la surah 98, la preuve évidente, Allah parle les gens du livre, en disant, on leur a pourtant ordonné que de purifier, si on peut dire, qui soit sincère dans leur religion. Et donc, ça, cette sincérité-là, Allah insiste dessus, sans laquelle Allah n'accepte pas une œuvre. Les anges viendront au jour du jugement dernier avec les livres. Et ils vont les exposer. À Allah va à dire, cela je le rejette. Ces actes je les rejette. Ils vont dire, oh Allah, nous on a vu que du bien. C'est-à-dire cette apparence. Allah leur dit consignez les tels que c'est moi qui vais les récompenser c'est pas les anges qui vont récompenser. consignez les tels que parce que Allah va regarder les actes et il va choisir dans ses actes il va éliminer tout acte qui a été fait pour autre que lui dans la surat 18 que vous lisez souvent le vendredi le dernier verset 110 qu'est ce que dit Allah celui qui espère, celui qui est sûr de la rencontre de son Seigneur, amal amal qui fasse les œuvres qui ressemblent aux œuvres de bien. amal amal Dans son œuvre d'adoration. Bi On a dit al l'adoration, c'est tout ce que Allah aime et agrée parmi les œuvres du cœur avant tout, de la langue et des membres qui fasse donc les œuvres qui paraissent bonnes. Et dans ces œuvres-là, que son intention soit dirigée exclusivement à Allah. Et dans la Surah 39, verset 3, Allah subhanahu wa ta'ala N'est-ce pas que la religion pure, purifiée, la religion sincère appartient à Allah Et bien d'autres versets, Allah n'accepte pas. Donc une œuvre, si elle n'est ne pas dirigée que pour lui subhanahu wa ta'ala. Et là, ça devient. La partie la plus belle. La partie que Allah récompense. Et c'est peut-être la différence entre les dix et sept cents fois par rapport à une bonne œuvre. Allah qui récompense de dix à sept cents fois. Mais l'intention n'est pas que cela. Si elle est dirigée vraiment pour Allah seul. Et c'est la partie la plus difficile. C'est pour cela qu'il est conseillé pour une œuvre qui, qui peut se faire. Dans la discrétion de la faire dans la discrétion. C'est pour cela que la prière surrogatoire... Est mieux chez soi, quand elle peut bien entendu être faite chez soi, plutôt que de le faire dans la mosquée. Même si on est pressé pour ne pas faire les ablutions, comme ça on va directement, on reste devant la télé ou on va au lit. Alors qu'il est conseillé d'avoir les ablutions tout le temps, et en particulier pour aller au lit. Mais le fait de refaire ses ablutions après avoir mangé ou pas, avant de se mettre au lit. Le prophète, il nous a dit qu'il n'y a pas de prière sans ablution. Allah n'accepte pas la prière s'il n'y a pas d'abolition. Lui, il avait ses habilitions, mais il les refaisait quand même. Allez, ça, tout ça. Mais par paresse, nous, on préfère même prier en ayant envie de manger, prier en ayant envie d'aller aux toilettes. Comment est-ce qu'on veut se concentrer en ayant la pensée aux toilettes ou au manger ou autre chose C'est pour cela que tout ceci, la prière est certes valable, mais il se peut que la valeur soit très petite aux yeux d'Allah, c'est lui qui donne la valeur à toute chose. Et donc, quand on va se retrouver avec euh, une intention, elle doit être la plus sincère possible. Pour la rendre la plus sincère possible, il faudrait qu'elle soit la plus cachée possible. La définition de l'ikhlas chez les gens de science, ils disent que la sincérité de l'intention, c'est que l'intérieur et l'extérieur soient identiques. L'intérieur ce qui est dans le cœur soit identique à ce que l'on observe. On dit qu'Amar Khatab est rentré un jour dans, une, dans la mosquée et il a trouvé quelqu'un qui faisait la prière du coq. Vous savez ce que c'est À peine il est arrivé, on a vu ce qui est obligatoire dans le temps Anin, dans la prière, qui est un pilier de la prière, c'est le fait d'être à l'aise au moins trois secondes dans une position que tous les membres reviennent à leur place. Celui-là était en train de faire la prière du coq, c'est comme s'il picorait. À peine arrivé sur le sol, il relevait la tête. Et quand il a entendu Omar ou sa voix ou qu'il a vu, il a fait des prières, Dieu seul sait comment elles sont, très longues, les, pro, les, les prosternations très longues. Et quand il a fini, on dit qu'Omar lui a dit, la première partie et la dernière partie sont fausses. Elles ne sont pas acceptées. La première, tu l'as faite et Allah n'accepte pas une prière qui est faite rapidement, sans fonction, sans euh, repos, sans être à l'aise, sans que les membres reviennent à leur place. La deuxième partie, tu l'as faite pour Omar. Craignants sont foués. Et donc c'est extrêmement difficile, c'est pour cela qu'il est demandé pourquoi Allah met parmi les catégories qui seront sous l'ombre de son trône le jour où il n'y aura d'autres ombre que cette ombre, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, les sept catégories que nous connaissons. Le prophète nous a cité le cas de celui dont la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné en sadaqa. C'est qu'il a tellement caché que même lui-même ne sait pas ce qu'il a donné. Je dirais, il a, vidé la, il a vidé sa poche. Il ne sait même pas comment il y avait dedans. Il l'a caché tellement, il l'a caché à lui-même. C'est pour cela que quand tu te souviens de ce que tu l'as fait, comme souvent on l'entend, n'est-ce pas moi qui t'ai donné ça C'est pas toi, c'est moi qui t'ai fait ça et maintenant tu me fais ça Est-ce que tu l'as vraiment fait pour Allah seul Ça nous arrive. C'est moi qui t'ai fait ça. Avec nos enfants, avec, avec quelqu'un d'autre Mieux vaut, ma soeur. Mon frère, quand te disent ah, tu ne me, me reconnais pas, non ah, Si j'étais un jour dans la difficulté, tu m'as donné ça. j'étais un jour je t'ai demandé ça, tu m'as donné. Tu t'en souviens même pas. Ça, c'est bon signe pour toi. Mais toi, tu es C'est lui, il n'y a personne ici à qui je n'ai pas fait du bien. Alors, tu te mets à compter si Allah compte avec toi quel bien il a fait, puisqu'il n'y a aucun bien qui ne vient pas de lui, subhanahu wa ta'ala, alors tu es perdu. Donc le fait de cacher le bien quand on peut le faire. Parce que la prière en commun, n'est-ce pas, on va te voir. C'est l'une des sagesses pour lesquelles le professeur me disait, les deux prières les plus difficiles pour l'hypocrite, ce sont les prières du matin et les prières de, du soir. Parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Le matin, comme disait notre mère Aïcha, on se quittait et les femmes ne se reconnaissaient pas. Ça veut dire qu'il était encore noir. Donc l'hypocrite peut rester chez lui sans qu'on sache s'il est venu ou pas. Le soir, également, il faisait noir. À Médine, ou ailleurs, il n'y avait pas d'électricité. Donc on ne sait pas qui est là ou qui n'est pas. pas là. Par contre, au, au Dohor, au Asra, si on ne te voit pas, on se dit soit il est malade, soit autre chose. Et il y avait des gens meilleurs que nous, qu'Allah les bénisse. C'est pour cela qu'on ne peut pas juger quelqu'un. Quelqu'un fait une petite chose, entre guillemets, mais à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'amène au paradis, on a vu le cas de cette prostituée. Cette prostituée qui, malgré son péché grave, quand elle est ressortie du puits, Allah a mis sur sa route un puits, elle est descendue, il n'y avait pas de seau, encore moins de robinet, encore moins appuyé sur un bouton, elle est descendue par la force de ses bras, elle a bu. Elle est ressortie là, elle a vu une chienne qui avait soif. Elle est redescendue à la force de ses bras, sa chaussure entre les dents, remplir autant de fois pour remonter, parce qu'elle sait que Allah voit, Allah la voit, malgré tout ce qu'elle faisait, elle était croyante. Comme ce tivrogne. Qu'on a amené pour le corriger, et quelqu'un qui le frappe et qui dit Qu'Allah te maudisse, le prophète que Dieu le bénisse, il lui dit N'aide pas Satan sur ton frère. Ne sais-tu pas qu'il aime Allah et son messager Comment on peut imaginer qu'un ivrogne aime Allah Allah regarde les cœurs. Bien sûr, il a désobéi. Bien sûr que c'est grave. Il est maudit même. Mais il aime Allah et son messager. Et toi, tu es là en train de le maudire, pensant que tu es mieux que lui. Et il se peut que Allah n'ait rien accepté de toi. Et donc, à cause de cette œuvre, cette prostituée, Allah lui a pardonné. Elle lui a, Allah lui a pardonné parce qu'elle est remontée, elle est, elle est descendue dans le puits autant de fois qu'il fallait. Qui était là C'était Allah. Par sa science, qui sait toutes choses. Au-dessus de sept cieux, subhanahu wa ta'ala, il est. Proche de ses serviteurs, tout en étant très élevé dans son étance, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes qui oscillent entre sa bienveillance d'une part et sa justice de l'autre part, basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Et donc, c'est elle est difficile. Des gens de science disent qu'il n'y a pas plus difficile pour l'âme. On a déjà vu ça comme une fois dans la Sourate Yusuf. Allah dit l'âme. Ordonne le mal. Il sauf celle à qui Allah fait miséricorde. On dit qu'il n'y a pas d'œuvre plus difficile pour l'âme que la sincérité. Pourquoi Parce que l'âme n'y gagne rien. La même bien qu'on la vente, la même bien la paresse, la même bien ceci et cela, la même bien qu'on qu voit, c'est qu'elle sait qu'elle fait pour que les gens pensent du bien. Mais là, elle ne gagne rien. Donc la sincérité est extrêmement difficile. On essaie, on, tend, on essaie de tendre vers la sincérité, mais Allah seul le sait. C'est pour cela que les meilleurs d'entre nous, ils ont peur que Allah n'accepte pas leur œuvre, puisqu'ils savent que si l'intention n'est pas sincère, si on l'a fait pour Allah et autre chose, Allah le laisse à celui pour qui on l'a fait ou ceux pour qui on l'a fait. Mais si on fait tout cet effort-là, grâce à Allah, et que malgré cela, malgré qu'on se soit caché, il se peut que Allah le fasse quand même qu'on le voit. On a pris l'exemple d'Abu Bakr, Lagré. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète, dans une assemblée meilleure que la nôtre, même si nous sommes plus nombreux aujourd'hui, sur Facebook, sur Instagram, dans une assemblée meilleure qu'aujourd'hui, Allah a voulu honorer Abu Bakr. Il a fait, il s'est caché. Et le prophète dit qui aujourd'hui a nourri un pauvre Il voilà fallait une réponse. Ah, nous, quand on nourrit un pauvre aujourd'hui, on dit Ah mais il y a beaucoup de pauvres. Hein. Il y a beaucoup de pauvres, même quand on veut les nourrir, on n'y arrive pas. Pour que les gens pensent que on a nourri un pauvre, mais lui, il a nourri discrètement. Qui a nourri un pauvre aujourd'hui Personne. à vous moi, Rasulallah. Si tu le fais pour Allah, quand Allah t'aime, les gens t'aiment. Les gens t'aiment pourquoi Parce qu'ils te voient faire le bien, même si tu te caches. Qui aujourd'hui a visité un malade Celui qui visite un malade trouvera Allah à ses côtés. Personne ne parle à Bakr du mois. Qui aujourd'hui a jeûné Personne ne parle à Bakr du mois, Qui aujourd'hui a accompagné un mort Personne. Abu Bakr du mois, ya Rasulallah. Et le professeur a confirmé ce qu'Allah lui avait annoncé, qu'à est au paradis. C'était le meilleur des compagnons du professeur salam. Il n'a pas fait pour qu'on le voit. Et d'ailleurs, dans la surat que vous aimez tous, j'espère, surat al-Layl,

a la fin de cette surat, sur sur il a ne recherchant par là que la face d'Allah noble. On dit que ce verset a été révélé à propos d'Abu Bakr, Il s'est caché. On dit qu'Amar ibn Khattab, Kalalagré, il a voulu, il est rentré en compétition avec Abu Bakr. Et quelle cause, et quelle compétition, et quel compétiteur ils étaient, tous les deux. Le meilleur et celui qui le suivait. Celui qui a été le premier calife de l'islam et celui qui l'a remplacé pendant dix ans. Et on dit qu'Amar ben Khattab, il, il se cachait pour aller, il voulait faire du bien. Il y avait une personne vieille à Médine et il allait. Il voulait se cacher, après la prière peut-être, pour aller nettoyer chez elle parce qu'elle était vieille, et il n'avait personne. Mais chaque fois qu'il arrivait dans cette maison, tout était propre. Il n'avait rien à faire. Il s'est dit, mais c'est qui, qui a eu la même idée et surtout qui passe avant moi. On dit qu'il s'est caché. Il est venu plus tôt un jour et qui va sortir de là, Abu Bakr. Qu'Allah les a agrée. Ils étaient en compétition pour le bien pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah les a agréés. Si tu le fais pour Allah, les gens le sauront et si les gens te remercient pour ça, cela n'enlève rien à ce que tu as fait puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça c'est une avance sur l'au-delà. Allah a été satisfait de toi, il a accepté, les gens t'ont aimé parce qu'Allah t'a aimé, il a mis l'amour des gens, ton amour, dans le cœur des gens. Mais quand tu le fais pour autre que Allah, Allah va te découvrir. Il ne l'accepte pas et on saura pourquoi tu l'as fait, tu vas te le tu vas te montrer. Et la bonne intention, même si on ne peut pas, c'est la beauté de l'islam le professeur salam a dit qu'il n'y a que deux types de personnes à envier envier, bien sûr pas dans le sens de jalousie c'est dans le sens de une personne savante qui passe du temps bien entendu la science sera certainement la me le meilleur don que Allah fait à qui veut c'est par la science qu'on se rapproche d'Allah inna min ibadih al-ulama, ne craigne vraiment Allah que les savants sur 35 Verset 28. Quelqu'un qui le voit et qui n'a pas de science, pas assez en tout cas, et qui se dit si j'avais la même science que celui-là, j'aurais fait les mêmes efforts. Parce que la science demande des efforts. Et les meilleurs, les plus grands savants, ce sont les prophètes, bien entendu. Que Allah a purifié. Il a purifié leur intention. Et il y a comme des gens qui se font voir l'intention. Allah se le sait en parlant, en enseignant, pour qu'on dise c'est le plus grand savant. Et Allah le sait. L'intention, comme disent certains, c'est comme si tu te mettais le jour du jugement dernier devant toi. Ce jour-là, tu vas le faire pour qui Allah sait tout ce que tu as fait et il te le montre pourquoi tu l'as fait. Certains disent donc que l'exemple, la définition de l'intention, l'intention sincère, c'est le fait que tu prennes Allah seul comme témoin. Comme au jour du jugement dernier. Que tu prennes Allah seul comme témoin, Allah suffit. Je ne veux pas attendre que les gens viennent pour donner. Je ne vais pas attendre que les gens viennent pour faire du bien. Je ne vais pas attendre que les gens viennent parce qu'Allah est témoin. Les gens sont témoins, Allah suffit comme témoin. C'est ça l'intention sincère. Que les gens soient là ou pas, mon acte ne changerait pas parce que l'intérieur est pareil à l'extérieur. Je parle des musées dont j'ai fait partie. Quand c'est le matin et qu'il y a trois personnes dans la mosquée, quand tu appelles, à la, quand, tu appelles quand tu fais le Adam, ce n'est pas pareil que si c'est un vendredi où il y a mille personnes. Mais il se peut que Allah ait recruté des gens sincères qui, pour eux, c'est pareil. Qu'ils soient dix mille ou dix mille, leur acte sera exactement le même parce qu'il sera pur, purifié pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je disais, l'intention, celui qui a la bonne intention, il est gagnant. Il voit un savant en train d'enseigner au, de, au lieu de le critiquer comme le font beaucoup. Ah, il se prend pour qui celui-là Oh non, mais celui-là, c'est un hypocrite. Ah, celui-là, il n'est même pas savant. Il ne connaît même pas ceci, cela. Toi, qu'est-ce que tu connais Tu ne connais pas assez. Si tu vraiment, tu savais ce que savait le professeur salam ce qu'il nous avait enseigné, tu pleurerais beaucoup et tu rirais peu. La science était celle à ça. Au lieu de le jalouser, et la, et la jalousie entre savants, il paraît que c'est terrible. Il paraît que c'est terrible. Pourquoi c'est celui-là qui a le plus de gens qui l'écoutent Pourquoi il a plus de gens qui likent sur Facebook, sur euh, internet, euh, sur je ne sais quoi d'autre. Pourquoi c'est lui qui est toujours invité, pas moi Et là, est, il est clair que malgré la science, c'est une science qui est inutile, qui ne t'a pas servi à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc quant à l'autre, tu te dis, oh Allah, bénis-le. Si j'étais à sa place, si j'avais autant de science, j'aurais fait autant d'efforts. Oh Allah, accepte de lui. Vérifie-le, élève-le en degré, qu'Allah le préserve. Si c'est vraiment sincère, Allah t'inscrit la même chose que ce qu'il a inscrit. Ou quelqu'un qui a été favorisé par l'argent, et ce n'est pas forcément, par les biens matériels, et ce n'est pas forcément ce que tu penses. Tu parce qu'Allah t'a aimé, parce que pour entrer au paradis, si tu dois y rentrer, ce sera 500 ans après les pauvres. Il faut que tu dépenses, comme l'a dit le professeur Salam, devant, à droite, à gauche, devant, derrière. Et ils ont plutôt tendance à piquer, même aux pauvres. Celui-là qui, dé qui dépense matin, midi et soir pour la cause d'Allah. Et alors, tu te dis qu'Allah bénit cet homme. Tout ce qu'il a, il le dépense. Et Allah te récompense comme si tu avais fait la même chose alors que tu n'as pas dépensé un rond. La bonne intention, elle sert à aussi à ça. La bonne intention, elle sert à quoi C'est que tu as été empêché de faire une chose. Allah dit... Dans le hadith Kouti, où le professeur Salam a dit, Allah a prescrit, il a décrété, il dit aux anges la rétribution des actes. Quand mon serviteur entreprend de faire une bonne action, et il l'a fait grâce à moi, je le récompense de 10 à 700 fois, voire plus, à qui je veux. S'il décide de faire une chose, mais il en a été empêché, alors, je lui inscrivez-lui une bonne action complète. Donc l'intention de vouloir faire une chose et tu n'y arrives pas, tu l'as quand même essayé. Allah sait si tu es sincère ou ce n'est qu'une prétention, alors tu as la récompense complète. À tel point que si tu es en voyage, comme l'a dit le professeur Celui qui est en voyage ou qui est malade, tout simplement, tout ce que il faisait en état normal entre guillemets, sédentaire ou en état de bonne santé, les anges le lui inscrivent par ordre d'Allah comme si il les avait faites alors que il est en voyage, alors que il est malade. Il est couché sur son lit et en même temps, il a la même récompense. C'est pour cela que c'est triste de d'attendre. Quand je serai vieux, quand je serai ceci, quand je serai cela, parce que tu sais pas quand si tu vas être vieux. Mais en plus de cela, tu n'auras pas la récompense quand tu seras vieux, quand tu seras malade, que de ce que tu auras fait quand tu étais en bonne santé. Celui qui se trouve en train d'adorer Allah et qui est malade. Allah a facilité les choses, celui qui peut prier debout, qu'il prie debout, comme l'a dit le prophète alayhi wa sallam. Ce que je vous ai ordonné, faites-le autant que vous pouvez. Ce que vous avez interdit, abstenez-vous-en. Les savants disent si tu es la prière, quand tu peux la faire debout, tu la fais debout. Quand tu ne peux pas la faire debout, tu la fais assis. Quand tu peux la faire assis, tu la fais coucher. Alors, quand tu es malade et que tu l'as fait coucher ou assis, Allah dit aux anges d'écrire la prière complète comme si tu avais fait debout, dans la mesure où ne t'a empêché de faire cette prière debout ou de te lever la nuit qu'à cause de la maladie. Qu'à cause de la maladie. Celui qui, même dans des œuvres mondaines, entre guillemets, qui travaille dur. Et le musulman est un grand travailleur. Ne se contente pas de vivre au crochet des gens. La main qui donne est mieux que celle qui reçoit. Qui travaille dur pour pouvoir faire ses prières à l'heure. Qui travaille dur pour amener le halal dans sa famille, qui travaille dur pour honorer l'ambassadeur, la place d'ambassadeur qu'il a de l'islam, celui-là sera récompensé pour son intention n'avez-vous pas vu Allah est bien plus généreux qu'on le pense il y a un homme d'après qui habitait loin c'était peut-être celui qui habitait le plus loin de la mosquée du prophète et pourtant il était à toutes les prières il était à toutes les prières obligatoires à la mosquée on lui a dit pourquoi tu t'achètes pas un âne pour te faciliter pour venir plus tranquillement il a dit jamais je ne le souhaite même pas. Ils ont rapporté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a appelé. Et le prophète sallallahu vérifiait les informations, bien qu'il savait que les compagnons ne disaient pas du mensonge. on a dit même les non-musulmans, même les polythéistes des Arabes du temps du prophète sallallahu ne mentaient pas. Néanmoins, c'est pour nous éduquer qu'il le faisait. Un tel a dit ça j'ai entendu que, non, il dit on a dit que tu ne veux pas acheter un âne. Pour te rapprocher de la mosquée Il a dit non, il y a wasallam. Je ne le souhaite pas. Parce que j'espère que chaque pas que je vais faire pour venir à la mosquée, chaque pas que je vais faire pour partir de la mosquée vers chez moi, que Allah va compter tous ces pas comme des bonnes actions. Et le prophète, -Sain, qu'est-ce qu'il a dit Ça t'a été compté. Ça t'a été compté. C'est-à-dire que ton intention, Allah qui te l'a donnée quand elle est bonne, ton intention, L'homme aura ce qu'il veut comme intention. Ton intention en faisant ça, tu n'as que ça. Mais ce que tu veux, c'est le paradis, le degré le plus élevé. Mais je dis bien sincèrement, parce que tu as donné tout ce que tu pouvais, alors très certainement, tu peux avoir l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait tout, qui t'a inspiré, cet acte, qui t'a inspiré l'acte, peut-être le meilleur de tous, qui est la bonne intention. On revenait de ta bouc, disait Anas, a l'agré. Le professeur Assalam a dit il y a certains qui sont à Médine. On ne gravit pas un mot, on ne traverse pas une rivière sans qu'ils ne partagent avec nous les bonnes actions. On dit mais comment cela Il dit ne les a empêchés qu'une excuse. Ils n'ont pas pu venir parce qu'ils étaient malades. Ils n'ont pas pu venir parce qu'ils n'ont pas de quoi s'acheter une monture pour nous suivre. La bonne intention, donc, elle n'a pas d'équivalent. Maintenant, vous me direz comment on fait, qui est sincère, Allah seul le sait. C'est pour cela que quand on connaît Allah, certainement on l'aime et on le craint. On craint qu'il n'ait rien accepté de nous. On fait dire Ibn Masaoud Si je savais qu'Allah avait accepté deux genuflexions, deux rakah, je serais le plus heureux du monde. Comme il se passe de tout, il regarde le fond de ton cœur, ma soeur, le fond de ton cœur, mon frère. Alors il n'accepte que ce qui est pur. Il n'accepte que ce qui est pur. C'est pour cela que travailler son intention, c'est peut-être la chose la plus difficile, mais la chose la plus essentielle. Et tu ne t'occuperas plus des autres. Comment y arriver En invoquant Allah. On invoque Allah parce que tout bien vient de lui parce qu'il est capable, subhanahu wa ta'ala, de toutes choses, invoquant Allah sincèrement, au moment où on est sincère, à les moments bien précis et tout le temps. Il se peut qu'on soit sincère en l'invoquant pour la sincérité. Il faut apprendre sa science, la science qu'Allah a révélée, qui te permet de craindre, de ne pas être sincère, qui te permet de connaître Allah et de l'aimer, qui te permet de vouloir et d'aimer Allah pour te rapprocher de lui. En, également en fréquentant des gens qui te rappellent Allah, subhanahu wa ta, les savants, les assises, en faisant cette mujahada, cette lutte contre ton âme, qui veut te dire oui mais fais-le parce que les gens te voient tu dis non, Allah voit et Allah sait que je ne l'ai pas fait pour lui donc ce travail continu qui, qui va t'obliger à te rappeler souvent Allah grâce à Allah parce que tu ne peux te rappeler Allah que parce que Allah t'a évoqué en lui-même pour que tu l'évoques en toi-même et tu ne peux évoquer Allah comme nous le faisons aujourd'hui en groupe que parce que Allah t'a évoqué dans, si tu l'évoques en groupe, il va t'évoquer dans la noble assemblée des anges. Et Allah n'a besoin de rien. L'invocation est extrêmement importante. Alors, prenons le dernier cas. Le temps passe vite. Hein. J'ai commencé à vouloir faire du bien, finalement. L'intention a été salie. L'intention a été corrompue. Est-ce que je l'abandonne Les savants disent non. Tu ne l'abandonnes pas, tu la changes. Si Allah n'a pas accepté le début, peut-être qu'il acceptera le fond. Peut-être qu'il acceptera la fin. C'est peut-être pour ça qu'il te l'a envoyé. Tout bien vient de lui. Beaucoup de savants ont écrit et qu'Allah les bénisse, qu'il leur pardonne. On a voulu apprendre la science pour autre que Allah. Allah n'a pas voulu autre chose que l'on apprenne pour lui. C'est-à-dire en allant faire tes études, en suivant ce live ou en allant apprendre ailleurs, peut-être que tu vas pour te, pour te dire, moi je veux être savant. Moi je veux qu'on dise que je suis savant. Tu vas commencer à apprendre et après tu vas te rendre compte que tout ce qui n'est pas fait pour Allah... C'est ça la science. Tout ce qui n'est pas fait pour Allah n'est pas accepté d'Allah. Alors tu changes ton intention et tu deviens là vraiment savant puisque tu vas craindre Allah. Alors qu'au début, tu as été pour que tu puisses euh, en jeter quoi, devant les gens, que les gens disent, ah oui, le hadith il le connaît, le, le Coran il le connaît. Mais tu n'auras que ce pourquoi tu as fait la chose. Mais ça, c'est une maladie du cœur qu'Allah nous en préserve. On n'en parlera pas aujourd'hui, ni parmi les actes d'adoration que Allah aime, subhanahu wa ta'ala, il est. Subhanahu wa ta'ala, le tout sachant. Le très fond de ton cœur, même le subconscient, il le sait. Avant de t'avoir créé, 50 000 avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, il a créé la plume. Et il a dit d'écrire tout ce qui va arriver. Et c'est sûr, certainement, le fond de ton cœur que tu seras jugé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie, c'est ce qu'on lui demande, le cœur. Et qu'il fasse que tous nos actes, le peu que l'on fait grâce à lui, lui soient. Absolument destiné et à personne d'autre, que personne n'ait une part dans nos œuvres. Parce que Allah n'accepte pas d'œuvres qui ne soient pas liées à lui, qui ne soient pas dédiées à lui, lui qui se passe de tout, subhanahu wa ta'ala. Donc, en résumé, l'intention c'est le squelette, c'est le sommet de tout acte. Plus on pensera à Allah, plus on purifiera grâce à lui, plus il purifiera nos actes, on dira, mieux on sera. Et ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité de l'acte. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous et des croyants, qu'Allah nous purifie le cœur et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse cheminer dans le droit chemin et qu'il nous regroupe avec ce qu'il a aimé, qu'il a agréé parmi les gens, à savoir les prophètes, les gens véridiques, les martyrs témoins, parmi les savants et également parmi les gens qui font de bien. Subhanakallahum wa bihamdika ashadu la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته